a tout un cycle de conférences sur l'écosystème de l'intelligence artificielle. Il faudra maintenant que nous comprenions qu'est-ce qu'est l'écosystème, qu'est-ce qui sont les atouts, mais aussi qu'est-ce qu'il nous manque. Alors, il faudra faire telle action pour améliorer et créer un écosystème très vivant, très innovatif et capable de faire venir d'autres entreprises dans les Alpes-Maritimes. Donc maintenant, on se retrouve avec un écosystème, avec une université au milieu, dans son centre, vous la mettez où vous voulez, mais qui est partout en fait, et qui travaille en collaboration avec tous les autres les acteurs, les entreprises, les collectivités locales. Et c'est ce modèle qui est vraiment notre modèle, qui est très spécifique à la France. Se mettre ensemble, même si on est des grandes entreprises sur Sophia, pour essayer de partager nos expériences et accélérer la découverte de l'industrie numérique, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder avec intérêt. C'est de donner à un territoire l'opportunité d'organiser des synergies, de faire que des idées, des énergies se rencontrent. Je pense qu'une entreprise, elle s'installe, elle se développe si elle a d'abord la ressource humaine la plus formée possible, la plus performante et la plus sédentaire. C'est toujours autour de cette notion du partage de la donnée, mais cette donnée, j'évoquais sa valeur, elle doit être aussi, je dirais, mise à disposition de manière préférentielle. Favoriser en fait cette fertilisation croisée, et on le fait sur le territoire en favorisant les contacts entre les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs, les salariés des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des PME. Faire coïncider et animer l'ensemble des territoires. Là, on parle de la CASA, on parle de la métropole, je pourrais parler aussi de Cannes. Qu'est-ce qu'on peut faire demain de concret pour améliorer notre écosystème? Donc cette cartographie, en fait, elle est basée sur la collecte de données qui existent déjà. Tous ensemble, on va faire de notre département les départements numéro 1 en France.